Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essentia Coloriage. Aujourd'hui, on va swatcher des choses que j'ai eues dans mon échange. On va swatcher les peintures acryliques et les encres, puis on verra le temps que ça prend si on va continuer. J'ai mon houppette pour sécher mon chose. J'ai du eau pour mon pinceau. Je vais mettre ça de l'autre côté. On va tasser un petit peu les bouteilles parce que j'ai tout à côté de moi. Fait on va tout tester ça ensemble. Fait que là, mon pinceau est mouillé. Je vais brasser la peinture, puis on commence. Wouh! Je vais juste prendre un petit peu de peinture de la couverte, je pense. Ça a l'air belle. Ça, c'est... J'ai numéroté les bouteilles. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace dans mon nuancier pour écrire les noms. Je vais dire c'est quoi le nom pareil, hein? Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le bleu marine. J'ai une place pour les mettre. Ça, c'est à côté de moi. Il faut que je vais les serrer à fur et à mesure. Le numéro 2, c'est le bleu vif. Celui qui est propre. Alors, c'est... Mais oui, je viens de mettre une goutte sur mon page, je sais. C'est quand tu niaises avec de l'eau, c'est ça qui va arriver, hein? On va faire ça. Ça a l'air beau, celle-là aussi. Je vais faire comme s'il fonçait et il parle en même temps. Voir que ça va donner. Il faut que ça, c'était le bleu vif. Oui, bleu vif. Je vais les rapprocher de la caméra quand ça sera tout fini. Comme ça, on... Tu vas les voir de plus près, puis il va avoir le temps de sécher un petit peu. Ça, c'est la turquoise, ils disent. Ça a l'air bleu, mais on va voir. Mon pinceau est propre. Il sac un petit peu. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau. Et voilà. On va prendre un petit peu de ça. Numéro 3. Ah, il n'est pas pire. Il y a une belle couleur pour des ciels, en tout cas. Numéro 4, c'est le bleu foncé. Je sèche un petit peu. Je trouve que quand il y a trop d'eau, ça peut pas montrer la couleur à son plein potentiel. Il y a l'air bien. Je suis pas genre à faire des vidéos swatch, mais si t'aimes ça, je vais en faire plus souvent. C'est toi qui sais. Voilà. Là, c'est sûr, je vais faire un swatch avec la grosse palette et toute la peinture. Puis comme je t'avais dit précédemment, si t'as pas vu la vidéo de l'échange, ça va être affiché avant lui. Fait que, n'hésite pas d'aller voir ça. Bleu pâle. On va checker sur mon pinceau est propre. Il semble. Oups, excuse-moi, je sais, c'est fatigant, le tapotage. Je suis pas une petite godette en plastique, ça, c'est mon prochain achat, là. Je suis posé de aller au Dollarama en fin de semaine, peut-être. Ben là, probablement déjà passé par le temps que tu vois les vidéos. Oh, ça, c'est une belle couleur pour un ciel, ça. Mieux que le turquoise encore. Ça, c'est le bleu pâle. Bleu pâle. Ce ne sont pas en ordre de couleur, rien. Je les ai juste écrit les numéros parce que j'ai gros à swatcher puis je veux pas. Je veux tout filmer en une journée. Si possible. Ça, c'est le purple, le violet. Quasiment sûr que je vais aimer ça. Hein? Il semble super belle, de violet. Numéro 7, ça va être un vert. Le vert gazon.
Ça a l'air pas payé. Vraiment, là. Une belle petite verre. Gazon, comme qu'ils disent. Vraiment, là. Ça, c'est le numéro 8. C'est un verre estival. Ça aussi, ça risque d'être beau. Ah, c'est. Ah, oui. Je pense que ça va être un bel verre pour le gazon, puis tout aussi. Ah, oui, il a l'air beau. Normalement, je sais qu'on met ça sur une palette. Là, c'est juste parce que je veux tester. Fait que ça, c'était le verre estival. Puis je trouve qu'il est belle aussi. Le 9, c'est un rose. C'est quelle couleur? C'est le fuchsia. Je pense que j'avais mis ma main dans la peinture, mais c'est juste de l'eau. Mais celle-là aussi, je l'aime. C'est des belles couleurs, sérieux, là, je suis très content. Le numéro 10, c'est le rose clair. Ça a l'air d'une petite rose ballerine, là, super pâle. Ah oui, ça va être vraiment une petite rose, là. Correct, grand-chose. Oui, c'est une super belle petite rose. La prochaine va être brun. Je t'ai dit, pas de logique, pas de sens dans les couleurs, là. C'est vraiment. Je swatch, c'est tout. Ouais. Je mets de l'eau partout. Quel gaucher. Hein, on va prendre du brun. C'est brun maintenant. C'est du brun. Brun chocolat, qu'est-ce que moi, je trouve. La chaîne orange brûlée. Belle couleur pour des briques, quelque chose. Excuse-moi, j'ai pas d'avance rapide. Faut que ça va faire des vidéos longues, les swatchs, mais. Moi, ça me dérange pas si toi, ça te dérange pas. Il est pas propre. Là, il est. On va checker. Numéro 13. C'est le prune. Une espèce de mauve un petit peu foncé. Il a l'air comme s'il y a un bouchon. On va ôter ça avec quoi? Avec mon outil 7. Tiens, on va le mettre dans la poubelle maintenant. En essayant de ne pas faire un dégât partout. Et avec moi, tu sais, c'est un risque, on ne sait jamais. Mais ça a réussi. Donc maintenant, le prendre. Hein, il y en a. Il y avait juste une petite croûte dessus. Oh, et belle, celle-là aussi. Je pense que je vais adorer prendre cette couleur-là. Je regarde ça, puis ça me donne des idées, tu sais. Fait que tu sais, c'est des belles couleurs. Pour toi. Drôle, j'avais pas de peinture acrylique. Puis là, j'en ai plein, puis je suis super content. Ça, c'est le jaune vif. On va dire comme eux autres, c'est vif. Ah oui, elle est belle. Super belle. Je sais. Je l'ai dit comme. Je sais pas combien de fois, mais tu vas l'entendre encore plein de fois. On regarde plein d'affaires, fait que c'est sûr que.
On va entendre ça. Ça, c'est le brise marine. La journée pas ôté, attends. La brise marine. Oh, elle est belle. Une espèce de Vermont, je trouve. Très belle. Non, ça, c'est le jaune foncé. J'ai misère à lire celle-là. Hein, il est dur à voir sur la bouteille. Un jaune foncé. Mais comparé à l'autre, il avait l'air foncé. Je pense, j'aurais pas pensé ça, mais effectivement, il a l'air plus foncé que l'autre. Maintenant, le 17, c'est le Vermont. OK. Un petit verre, là, assez intéressant. Un petit verre. Super le cute. Je me dis, tant swatcher, j'ai swatch de rec où ce qu'ils vont aller dans mon livre. Comme ça, c'est pas fait pour rien, puis je suis pas obligé de les refaire. Ça, c'est le rouge estival, excuse-moi. Rouge estival. C'est la houppette parce que là, c'est le linge que je veux. Tiens. Oh, c'est un rouge vraiment foncé, vif. Super belle. Ouais, j'aime ce rouge-là. Le 19. Ah, il y a 22 couleurs. Attends. 21. 22. OK. Le 19, c'est le vert sarcelle. En anglais, c'est green teal. En que je l'ai mal prononcé. Le numéro 20, c'est le vert chasseur. Ouh. Il a l'air plein, lui. Alors, on va passer dedans. Tu. Okay. Faites son petit boule. Prenez un petit peu. Le verre chasseur. Oups, trop d'eau. Le vert chasseur, super belle. Le 21, jaune foncé. C'est une même que 16. C'est une autre bouteille, mais pourtant, c'est un jaune foncé. 16, 5. Craft Smart aussi. C'est deux kits différents, je sais pas, mais il a son propre numéro, lui. Oups. On va voir. 21. Il a ça. On va voir quand il sèche, mais je pensais même. Bizarre qu'il ait mis la main, mais. Pas grave. Et le dernier, rouge vif. Et le dernier, mais pas la moindre, hein, des belles rouges. Oups, on va essayer d'essuyer ça.
Le 22, l'heureux juif. C'est une autre belle couleur. Voilà. Ça, c'est les peintures acryliques. On les montre plus près. Je vais les laisser sécher tant qu'on fait les autres. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, je vais prendre une parce que je veux une pour brasser les docteurs Martin si jamais il ne veut pas se brasser parce que c'est ça qu'on swatch en deuxième. Voilà, les docteurs Martin. Faut que le premier serait le 12R. On fait les swatchs à côté parce que j'y coupe les pages en deux quand il va dans le livre. Juste prendre un petit picot. J'aurais peut-être dû faire ça sur la page avec les picots, mais c'est pas grave. Bel petit blanc iridescent, là. Ça, c'est une autre affaire, je vais laisser sécher. Ça, c'était là. 12 heures iridescent white. Blanc iridescent, enfin. Là, je vais faire le 2R jaune iridescent. Tu peux embrasser, oui. Belle aussi, celle-là. Ok, je vais m'amuser avec ces couleurs-là, je pense. C'est projection de toutes les couleurs des zones iridescentes. Super belle. Le 7R, c'est le. C'est le rose? Non. Non. Fait que c'est le bleu. Le dernier, j'ai pris. Elle a l'air belle, elle aussi. Un moyen redescend. Ah, c'est parce que son stock est en bas, attends. On va régler ça assez vite. Comme durci dans le fond, puis je brosse avec un petit pinceau, c'est ça que je fais. Pour essayer de lucer le stock. Puis oui, c'est ça, ça a tout délucé. Il faut que le pigment a lâché de le fond. Fait que, on va être capable de faire de quoi de bien en rebrassant. Je pense que ça devrait tout mêler comme faut. C'est comme tel. Si je prends un pinceau, si je mets de côté, regarde. Il a l'air plus iridescent que quand je l'avais appliqué la première fois. Nettoyer le pinceau. Pas parce qu'il y a un petit peu d'encre dessus, il va être pas bon, là. On va brasser à nouveau. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ça a vraiment amélioré, gars. On va faire celle-là, il est plus plein que les autres, mais c'est pas grave. En vrai, il est vraiment plus iridescent que les autres. Le 5R, c'était le vert. C'est ça. Le vert, y a-t-il besoin? Oui, correct, lui. Le vert est correct. Il y a certaines couleurs que c'est comme ça, mais en brassant, on les ramène, fait que ça, c'est correct. Ah, il est beau, le vert, il est super belle aussi. Wow. Ça, c'est le 4R. C'est le rose. Puis lui, je sais, il faut que je le brasse, fait que ça donne rien de tarder. Je vais le faire tout de suite. Puis elle sera faite. Et le stock est tout dans le fond, puis il veut pas bouger. Je l'avais essayé de brasser tout à l'heure, puis il veut pas. Donc là, ça devrait. Oui, ça semble être correct. Je vais mettre tout dans les Kleenex.
Et on a tweet. Donc, autant bouteille. Avant, je le vide sur mon bureau. Parce qu'on s'entend, moi, je suis bien capable de faire une belle bêtise comme ça. Fait que là, t'es bien fermé. On va brasser. Et à moi, ça, c'est beau couleur, là. Super belle. Ça, c'est le Orchidée iridescent. Le 4R. Oh, elle est belle. J'aimerais ça, moi, comme un vernis à ongles, cette couleur-là. Là, on est le 10R. C'est le noir. Lui, il brasse bien. Ça, en anglais, c'est Black Sparkle, ils disent. On va voir s'il brille, mais qu'il sèche. Voilà, Black Sparkle. Celui-là, c'est le 3R, c'est la prochaine. Il va-tu brasser? Il faut que je le brasse. On va voir. Shake, shake, shake. Tant y être. Ah non, il est brassé. Ça, c'est le Iridescent Salmon. C'est des très belles couleurs. Sérieux, hein? J'aime ça. Ça va être le fun à jouer avec. Le 6R, celle-là, il faut que je brasse. Tout à l'heure, il n'a pas bougé, il faut qu'on va le brasser tout de suite. Puis il va être correct. Ah oui. Le pigment, il reste figé. Fait que si jamais t'en as de ça, puis le pigment est figé dans le fond, là, fais juste le brasser avec un petit bâton. Tiens, monter ça. Je vais le mettre dans mon Kleenex, puis on va le nettoyer. Tiens, on va serrer lui. Brasser la peinture. Yeah, c'est beaucoup mieux, là. Tout à l'heure, il restait séparé. Là, il est ensemble. Fait qu'on va mettre le 6R là. Et tant pour mon livre, je vais prendre une que j'avais déjà. Ok, ça c'est celle que j'ai eue dans l'échange, mais je suis en train de les swatcher, fait que je vais juste faire ça vite fait. Celle-là, c'est le 1R, le Silver. Je vais mettre là. Fait. Voilà. Je vais mettre ça de côté pour sécher, puis on va tester d'autres affaires en attendant. Ça va sécher. Je vais te montrer ça après. Ensuite, on va tester le Sheer Shimmer. Je suis curieux. On va sprayer le Sheer Shimmer Spritz Gold sur le papier. On va voir. On va-tu le voir sur du blanc ou faut que je sorte du noir? Oh, wow! C'est cool comme stock? Regarde-moi ça. C'est vraiment cool. Je sais pas si tu vois comme toi, mais vraiment cool comme affaire. Je vais laisser ça sécher aussi. Okay. Là, qu'est-ce qu'on va tester? On va amortir le Chrome Marker, on va le tester. Et brasser. Ça, c'est Chrome Marker doré. Je te mets sur pause, je l'amorce, puis je reviens. Ok, il est quasiment amorcé. Fait que. Tiens, il l'est. Wow. J'aime beaucoup ça. Il a une petite teinte bronzée, comme. Il est super belle aussi. Autant que j'aime l'argent. De cette marque-là, j'aime le doré aussi, regarde-moi ça. Super nice. Ça, j'ai testé. Le Lumon. On va voir. Je le vois un peu, mais regarde, on va faire ça. J'ai acheté une grosse stylo feutre noire. C'est mon papier noir, je sais pas où. C'est-tu assez épais, je suis en train de scraper mon.
Bon, je suis correct. Là, on va tester ça. Ça, oui. Il est pas pire. Pas pire, pas pire. Ça, c'était le Staedtler Lumen Non-Permanent Color. Je vais mettre ça avec mes autres. On va checker ça. Ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Lui, il dit ça, c'est un mousse craquelé. For textured finish, appliqué avec un spatule. Il dit qu'il faut que tu mettes une couche épais. On va essayer. Il dit que tu peux mettre de l'eau. On va tester, voir. Ça s'enlève-tu avec un pinceau? Tester. On va faire ça. Et je vais sortir mon spatule. On va tester. Je veux vraiment tester à fond. J'avais dit, quand elle m'a demandé si je voulais tester, j'avais dit oui. Que je voulais jouer avec ça. Fait qu'on va tester avec la spatule. Moi, j'ai une spatule que j'ai eue avec Faber-Castell, que je m'en sers jamais. Fait que c'est une bonne chance de tester. Fait qu'on va prendre un petit peu. OK, j'ai un petit peu. On va mettre en couche égale. Voir qu'est-ce que ça donne. On va voir. Si c'est comme ça va faire l'effet craquelé. Si oui, je sais pas si ça marcherait bien dans un livre à colorier ou pas. Là, j'ai fait comme ça. On va voir ce que ça va donner. Ça, c'est le nouveau Crackle Mousse dans la couleur Celestial Blue. On va voir. Là, je vais faire plus de blanc noir. Oups, ça, c'est pas le noir. Pour tester l'autre. Parce qu'il est blanc, on risque de ne pas le voir sur le papier blanc. Donc, nettoyer mon pinceau. Comme faut, parce que je veux tester avec le pinceau et avec la spatule. Mon spatule est net. Fait que ça, c'est le embellishment mousse. Pour ajouter du démentiel métallique en détail à tes projets, le couleur snow. On va voir. Avec le pinceau, ça fait ça. Sur le noir, ça paraît. Sur le blanc, pas tant. Et si je regarde, je fais la ligne là. Comme ça, tu peux le voir. Et on va tester avec la spatule, parce qu'ils disent en arrière, qu'est-ce qu'ils disent? Comment qu'ils disent ça? Ils disent pour un fini texturé appliqué avec un spatule, pour une texture. Lisse appliquée avec un chiffon. On va essayer. On va voir. On va mettre ça aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Comme je te dis, on expérimente. On va laisser ça sécher ensemble. Nettoyer. T'en as voir sur mon linge. Regarde, j'en ai un petit peu. On va frotter avec aussi. Voir. On va frotter là, tiens. Puis ça. OK, mais mon léger sale, puis ça paraît parce que c'est attaché au papier. Fait que voilà, ça c'est les nouveaux. Puis on va laisser sécher pour voir qu'est-ce que ça va donner aussi. À force de sécher les affaires, il va manquer l'espace. Hein? Le sheer shimmer, as-tu séché? Oui. Et moi, ça, c'est. Je pense que je vais aimer ça. À servir de ça, ouais. Ça, c'était ça. Je vais trancher le sheer shimmer de là. Je vais me trouver d'autres papiers. Oups. J'ai plein de papiers à côté pour faire toutes sortes de choses dessus. Là, je vais swatcher. Oups. Une erreur de mon imprimante. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les stickers, les affaires de même, fait que on peut faire ça. Je vais serrer mon pinceau. Mon pinceau va être serré parce que ça, il faut que ça soit lavé, cette eau-là. Fait qu'on va tester les stickers et les Nova Drop ensemble. Toutes les sortir. Ça, on va mettre ça en attendant. OK.
Fait qu'on va tester ça. Celui-là, c'est le Craftsmart Glitter Glue. Il n'y a pas de numéro, je pense. J'envoie pas de nom ni de numéro. On va tester ça. C'est plus liquide que les stickers, je trouve. Mais il a l'air de sortir quand même assez bien. On va tester ça là. Ça, c'est une que Zazu a faite. Même pas pris. On fait un rond. Je veux faire un plus gros rond. Ça, on s'entend, on va les laisser sécher aussi, puis on va revenir à ça. Ça, c'est un rose que Zazu a fait. Ouais, belle le rose, je trouve. J'aime ça. Ça se fait des belles couleurs. Ça, c'est une espèce de turquoise de Craftsmart. Les stickers, je vais les mettre à côté. Ben moi, je les aime, les stickers Craftsmart, moi. Je sais pas où qu'elle les a pognées, mais je vais en vouloir chercher d'autres. Je trouve ça pas payé. Ensuite... Les stickers, je vais mettre ici, puis les autres, je vais mettre là. Ça, c'est un stickers pailleté clair. Elle m'a dit que... Oups! Ça sortait vite. Je m'attendais pas à ça. Elle m'avait dit qu'elle m'avait envoyé les grosses paillettes. Celle-là, c'est les petites paillettes. Fait que... Ça, c'est bon. Ça, c'est une autre. Une espèce de rose. Elle est belle. Je l'aime beaucoup. J'ai une petite rack en haut. Je suis en train de les serrer. Je pense que je n'y mettrai pas toutes là. Faut que je trouve un plus gros rack. C'est ça qui va arriver. Un autre doré. Super beau. Il est bouché. Puis je pense pas qu'est-ce que j'ai pour boucher. Marche, un instant. Malheureusement, j'ai rien pour le débloquer. Je vais acheter des aiguilles en fin de semaine. Puis je vais le tester rendu là. Parce que si je continue à peser, il va péter, je pense. Puis je sais qu'il est bloqué juste là. Je le vois où ce qui est bloqué. Mais j'ai vraiment rien pour le débloquer. Mais mes aiguilles à insulin. Attends, je vais aller essayer ça. Je te reviens. OK. Je pense que j'ai débloqué, j'ai trouvé un trombone. Et j'ai trouvé ça. C'est des petites paillettes libres aussi en hexagone rose. Rose mauve. Donc on va essayer de voir si mon... Oh, oui, le trombone a marché, gars. Un bel or. Super bien. Je vais serrer mon trombone en sécurité tantôt pour le perdre. C'est un autre or. Il y a plusieurs ors dans les stickers, c'est cool. Super belle. J'adore les stickers. J'aurais pas pensé ça, mais depuis que Zazu me les a fait essayer, là. J'adore ça. Du jaune. Des fois, je trouve que c'est dur à les faire sortir. Ah oui, t'es capable. T'es bon. Vas-y. C'est pour ça que le monde les store à l'envers. Pour que ça sort. Mieux quand tu veux les prendre. Je vais laisser lui à l'envers un petit peu. Une petite place dans mon rack là. Je laisse de même un petit peu tant qu'on a assez les liquid pearls dorés et blancs. On met ça ici. Oh, le doré est belle.
J'aime ça. Et le blanc. Ça, j'en veux là du blanc. Ah oui, super. Regarde-moi ça. Super bien. Là, on va revenir à la sticker jaune que je l'ai mis à l'envers pour voir si ça va aider. À sortir. Ah oui, t'es capable. T'es bon. Oui. Oups. J'ai mis ma main dans l'autre. Sûr. C'est de quoi je peux mettre le bras dedans. C'est sûr, je vais le faire. Mais t'es capable. Ouais. Okay. Je le laisse plus long. On va tester d'autres affaires en attendant. On va faire. Checker les pigmentations, les petites poudres. Tant que lui, il reste à l'envers un petit peu, comme un gentil sage. On va mettre ça dans mon tiroir pour pas le perdre. OK. Ça, je vais les mettre comment? Je sais pas. J'ai une idée. Je vais juste prendre mon doigt. C'est-tu toi qui as une idée? On va juste regarder comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est très luisant. Sortir mon guenille pour mes mains parce que je me salisse, bien sûr. Mais j'ai des choses, je vais tester avec ça. Plein de choses. Ça, c'est le espèce de rose là. Rose gold. Oui, belle, oui. Le bleu est super. C'est une espèce de bronze. Il brille en plus. Yeah. Oh, wow. Elle, je l'aime beaucoup, celle-là. Ça en prend pas beaucoup, hein? J'en mets quasiment pas sur mes doigts, puis gars. Des belles effets pour le fond, ça. Pour des fonds de colo, des affaires, là. Je te jure. Doré. C'est quasiment la même couleur que Shimmer Spray doré. Sauf qu'il n'y a pas d'eau pour le transporter. Spécial. Et le argenté. Voilà. Ah, lui, là, sur des ailes, on le voit pas. Il faut qu'il cache un peu la couleur. Ça pourrait être bien. Ouais. Et je vais te montrer ça de plus proche. Les poudres. Je vais ôter l'excès, par contre. Les poudres. Ça, c'est l'argenté. On le voit juste à peine. Mais il fait un bel reflet. Fait qu'on va rassayer le jaune. Oui, ça a l'air d'avoir descendu. Fait qu'on devrait être correct. Mais sinon, je sais pas quoi faire. Tiens, j'ai réussi. Il est beau. Fait qu'on va laisser ça sécher. On va revenir sur la peinture acrylique, voir qu'est-ce que ça a donné. Ça, c'est lui. On va laisser sécher là, de côté. Oups! Les tags. Je dessine sur mes claviers, j'ai les encres. Ah, tu vois, les encres sont en train de sécher. Regarde, ça, c'est la peinture acrylique. Les encres, Dr. Martin. Très irisé, même s'il y en a qui ne sont pas tout à fait sèches. On peut voir. Puis, ici, c'est. Ah oui. Ah, mais regarde, le bleu, il craque. Tu le vois pas bien, mais il craque. En sachant, il est-tu sèche? Oui, il a fait du craquelage. Faut vraiment que tu en appliques gros parce que quand tu le mets pâle, il l'a pas fait. Il a fait une texture aussi. Ah, j'ai des expériences à faire avec le bleu.
Ou ce qu'on le mette avec un spatule. Puis c'est pas. Oups, ça c'est pas sèche. C'est pas trop élevé non plus, mais c'était en train de craquer. Fait que c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On teste-tu les stylogènes? On est à combien? 40 minutes. Fait que ça, on va arrêter ça là pour ces swatchs-là. Non, il faut qu'on les voit sèches. C'est ça la problème. On les voit un peu. Ils sont pas sèches, mais ils ont l'air bien. Vraiment, là. Les stickles Azu a fait aussi la rose. Ça va être un de mes préférés, je pense. Puis les stickles sont belles. Puis les Liquid Pearl aussi sont pas pires. Les poudres, je vais m'amuser avec ça. Ça, je vais expérimenter avec ces deux-là encore. Parce que là, le blanc a laissé une texture aussi, mais on le voit pas vraiment. Tu vois, on le voit un peu. Je peux-tu l'éclaircir un petit peu plus? Attends. Désolée, là. Tu vois, il est venu craquer. Puis le blanc, il a une texture comme la neige un petit peu quand on le met avec le spatule. Fait que, d'après moi, c'est quelque chose que. Pas long, je t'ajuste. Voilà. C'est quelque chose qui risque qui vaut la peine qu'on expérimente un petit peu plus avec. Fait que ça va arriver. Les stickles, mais c'est les stickles, hein, sont magnifiques. Et les angles, mais sont super belles. Regarde-moi ça. Les acryliques aussi, les couleurs pour les ciels, le 5 et le 3, ça serait des belles ciels. Il y a toutes sortes de belles affaires qu'on peut faire, comme les angles. Regarde-moi ça. Ça va être super beau aussi à jouer avec dans les colos. Fait que voilà, ça c'est tout pour les swatchs pour cette vidéo-là. Je vais te revenir quand on va swatcher la grosse panne, toute la peinture dans le fond. Ça va être une vidéo swatch. Fait que là, il est rendu 1 h d'après-midi. Fait que moi, je vais aller manger de quoi. Puis je te reviens tantôt. Je vais filmer le reste après-midi parce que je veux tester la palette de peinture puis toutes les peintures. Fait que là-dessus, moi, je te dis, si tu as aimé mon vidéo, n'oublie pas le pouce bleu par en haut pour dire que tu as aimé ça. Si tu es abonné, merci d'être abonné. Je vous apprécie toutes. Et si tu n'es pas abonné, je vous apprécie quand même. Mais pensez-y, c'est gratuit et ça montre que tu aimes qu'est-ce que je fais. Fait que là-dessus, moi, je te dis, à la prochaine vidéo. Bye bye.